Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je vais vous parler de la pratique de la table antigravité. Et pour commencer, lisez attentivement les consignes de sécurité. Attention, il ne faut pas d'enfants, il ne faut personne autour, parce que vous voyez, ça peut descendre brutalement et puis faire très mal. Donc la première chose, vous réglez ici la longueur. Vous voyez, ici, c'est marqué, il y a absolument rien. Donc vous mettez votre taille. Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est ça. Parce que c'est très confortable pour les chevilles. D'accord ? Maintenant, ça c'est assez moelleux, d'accord, aucun problème. Je vous conseille de mettre des chaussures quand même, parce que c'est pas hyper confortable. Donc vous installez tranquillement comme ça. Alors pour ceux qui ont très mal au dos, vous demandez à quelqu'un de vous le faire pour éviter de vous pencher. Sinon, vous pliez les genoux. Pliez les genoux. Voilà, et là, voilà. Et vous pliez les genoux pour ne pas tirer au niveau de l'air. Voilà. Et c'est parti. On y va. Voilà. Là, on est à 6 degrés. Là, ça commence à détendre. Et là, de plus en plus. Là, ça commence à détendre. Là, vous sentez là. Le corps ne passe plus rien. Et là, vous commencez à sentir, hop, la pression de l'équipe, et c'est parti. Voilà. Alors, pour les nuls, je conseille de mettre, alors pour les personnes, je vous conseille de mettre une sangle ici. Ici. Pour vous bloquer lorsque vous descendez. Et comme ça vous bloque ici. Voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc c'est bien. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé 4 semaines de vacances avec cet appareil. J'en ai fait entre 1 et 3 fois par jour. Et je vous assure que vraiment, j'ai l'impression, c'est plus une impression, c'est une sensation en tout cas, que mes diatènes ont retrouvé de l'espace de mouvement. J'ai l'impression que mes disques sont moins compressés. Ce qui est très important, et ça c'est le signe numéro 1, le signe positif numéro 1, c'est que j'ai beaucoup moins de névralgie dans les jambes, notamment la nuit. Je m'arrête beaucoup moins la nuit. Donc voilà, c'est un appareil qui pour moi a toutes les qualités. Alors je n'ai aucun intérêt, je vous dis tout de suite, je n'ai aucun intérêt avec la société qui les diffuse. Mais après toutes mes recherches, c'est le seul appareil que j'ai trouvé qui fasse 2 en 1 ou même 3 en 1, c'est-à-dire suspension par les mains, suspension par les pieds et chaise romaine, suspension par les épaules. C'est un système qui peut être utilisé par beaucoup de personnes non sportives. Si les problèmes de colonne vertébrale, notamment lombaires, sont une de vos préoccupations, si vous voulez vraiment améliorer, vivre mieux, avoir moins mal, ou moins souvent, ou moins fort, enfin bref, si vous voulez tenter d'améliorer la situation, eh bien, j'ai créé pour vous une formation complète où je vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur les causes du mal de dos et tous les traitements naturels possibles et imaginables à votre portée. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis peut-être à très bientôt pour une prochaine vidéo ou une formation. Au revoir.